Alors on va commencer avec Samir. Tu me promets que tu le feras jamais chez toi. Jamais à la maison. Il y a ta mère qui est là. Donc quand elle sera pas là, t'inquiète. Bah, en gros, là. Hey, mais par contre, il faut que tu penses à un truc qui t'énerve fort. Qu'est-ce qui t'énerve en ce moment? Ta mère. Je vais parler à ta mère deux secondes. Je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe à la maison. Il doit être sage. Il est sage? Des jours oui, des jours ouais, non. Ouais, je suis sage. Elle a dit ça. Enfin. Non, mais l'autre, il menace sa mère. Ça va pas, toi, là? Merci, Boudère. Merci. Je vous promettais que si jamais il fait ça à la maison, vous m'appelez. Par contre, il y a une petite faim, là. Il est prêt à manger des trucs en plastique. Hein. On va lui amener un petit goûter. Samir, pas d'histoire. À qui tu penses? Qu'est-ce qui t'énerve en ce moment? T'es pour quelle équipe de foot? Je suis pas pour le foot. Moi, je fais du basket. Et quelle équipe de basket? Bah. J'ai la flemme, c'est 1h du mat' les matchs. Voilà, alors. les enfants. Du respect, s'il vous plaît, pour Samir qui va payer nos retraites. Ok? Ouais, pas chaud, pas chaud. Pas chaud, pas chaud. Mettons de l'argent de côté, on sait jamais. Samir, tu tires ouais. Et tu laisses un maximum de trucs sur la table. T'es prêt? Je me souviens, c'était vers l'arrière, là. Vers le bas. Je peux? Allez. On va mettre ça sur le dos de la puberté, il est trop tendu. Non, non, il triche en plus. Non, bah non. T'as laissé une... Non, c'était là. Il reste cuillère. Une cuillère. Il y a une cuillère. Allez, Adèle. Adèle, alors toi, qu'est-ce qui t'énerve en ce moment, Adèle? L'école. L'école, qu'est-ce qui va pas à l'école? C'est long. C'est long. C'est tôt. Il t'en reste encore pas mal d'années, tu sais. Une année. Mais tu vas arrêter à 15 ans, l'école? Non, j'ai 17, moi. À 18 ans? T'as 17 ans. 17 et ans. Tu l'as dit à personne depuis le début de l'émission. J'ai 17 ans. Et ben, dans un an, tu vas pas arrêter l'école. Non, je tu pars veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi plus tard? Actrice. Actrice, c'est vrai, ouais. Tu veux faire comédienne? Oui. Tu veux aller faire une école de comédie? Je sais pas encore. Bon, pas. Avec le succès du film, tu vas avoir plein de demandes, ça c'est sûr. J'espère, j'espère. Adèle, pense à tous les cours qui te saoulent à l'école. Oh, allez, la Belgique te regarde. Wow, wow. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, 6. Saskia, qu'est-ce qui t'énerve en ce moment? Les profs qui te gardent après la sonnerie. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la file pour la cantine, après t'es tout derrière. Et pourquoi ils te gardent après la sonnerie? Parce qu'ils ont pas l'heure, en fait. Ils continuent à écrire le journal de classe alors que ça a sonné. Et toi, ça t'énerve? Bah oui. Alors regarde, à tous les profs qui font faire la queue à la cantine. Ce tire-nappe, il est pour vous. T'es prête, hein? Elle est en colère, en plus. Ouais. Aïe, 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 aïe. 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, c'est Adèle qui est en tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir qui fait mieux. Allez à votre place. Bon, pour la série suivante, j'appelle Nassir, Laszlo et Bouder. Alors, Laszlo, on va commencer par toi. Laszlo, qu'est-ce qui t'énerve, là? Quand maman me prive de jouer. Elle est où, maman? Elle est là-bas. Mais quand elle te prive de jouer, c'est que t'as fait une bêtise? Non, c'est parce que j'y passe le temps. Parce que tu quoi? Tu passes trop longtemps? Non, je dépasse le temps qu'elle me dit. Ah, il y a un temps pour faire ses devoirs, un temps pour jouer, et un temps pour faire des jeux en cachette pour sa mère. Faut planquer des jouets sous ton lit. Tu sais, toutes les arnaques, je les connais, parce que ma fille a fait exactement les mêmes. Tu es prêt? Bon, il faut pousser un cri très très fort au moment où tu tires. Allez. T'es prêt? Vers le bas. Allez. Yeah. Encore. Ouais. Oh là 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 là. Ah, ça a fait mal. Il n'a pas compris le jeu. C'est bien, t'as tout mis par terre. C'était bien. Le principe, j'ai cassé le décor. C'est pas grave. Le principe, c'était d'en laisser un peu. Il y a trop de colère dans cet enfant. Oui. Il faut lui faire faire un peu de sport. Tu fais du sport, Laszlo? Faites-lui faire du MMA. Ça va le calmer. Ça va le détendre. Qu'est-ce qui t'énerve, toi, dans la vie? C'est une fille dans ma classe. Ouais. Et pourquoi elle t'énerve? Parce que... Elle fait... Ah, laisse-moi tranquille, toi. C'est moi la reine ici, hein. Comme ça. Mais elle est peut-être amoureuse de toi? Mais non. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais rien, mais j'ai envie de... Oh. Peut-être que c'est toi qui es amoureux d'elle? Non, non, non. Wow. Non, 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 non. Quand on déteste quelqu'un, il y a un proverbe qui dit qui aime bien, chatouille bien. Et alors, c'est comment? Ça va, toi? Elle t'énerve. D'accord. C'est dans les manières qu'elle t'énerve, ouais. Quand elle parle. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais elle est jolie? Non. Non, bah sympa.
Bonne ambiance demain à l'école. Hein. Lundi, tu vas te faire déchirer à l'école. Hein. T'es prêt? Oui. Et tu cries, hein? Ouais. Trop nul. C'est trop dur. Tu vas gagner, Adèle, oui. Allez. Alors... Boudère, tu... s'il y a tout qui reste... Moi, c'est quand j'étais petit, il y avait un truc qui m'énervait, moi, quand j'étais petit. C'était quoi? Ma mère, elle me faisait le sandwich du rêveur. C'est quoi? C'est une demi-baguette, tu l'ouvres et tu rêves ce qu'il y a dedans. Ça, c'était... Mais est-ce que toi aussi, t'as dit à ta mère, fais-moi un burger comme chez McDonald's, ouais. Elle te faisait un truc, il y avait tout sauf le burger dedans. Non, elle faisait, c'est comme ça, avec un papier aluminium dégueulasse. Moi, c'était le pain au chocolat qu'elle faisait. C'est vrai? Elle prenait du pain, mettait du chocolat en poudre. Benko, ouais. Ah ouais, moi, elle faisait avec du beurre aussi. Exactement. Mais du sucre. Beurre Benko, ouais. Ouais, beurre Benko, sucre. Ouais. Ah bah, on a eu la même chose. Ah, c'est loin, la Serbie. T'es prêt? Attends. Vers le bas. Le grand cirque. Ouais. Bah, c'est Adèle qui gagne cette épreuve.